papa est venu me voir un jour en disant « Voilà, je pars à la retraite, est-ce que tu serais intéressé par la ferme ?» Donc je lui ai dit oui avec grand plaisir et j'ai repris des études pour pouvoir m'installer. J'ai démarré de rien du tout. Aujourd'hui, on a réussi à construire deux sociétés. Il faut aller de l'avant et il faut se battre pour réussir. Et la preuve, aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. Serre France est certifié depuis une dizaine d'années maintenant. Puisque c'était bon pour nous, on a pensé que ça pouvait être bon aussi pour nos clients. C'est se démarquer par rapport à la concurrence, quoi. La progression s'est fait tout de suite et je pense que ça permet vraiment d'acquérir la notion de chef d'entreprise, quoi. L'argument, c'est savoir prendre du recul sur l'entreprise, quoi, et se poser, quoi. Je pense que c'est aussi notre rôle, nous, en tant que conseillers. Moi, je trouve ça génial. Nous leur proposons un service qui s'appelle Serre France Avantage. Ça permet à nos TPE de proposer à leurs salariés tous les avantages d'un comité d'entreprise. Nous avons négocié au niveau national des remises avec des fournisseurs de véhicules, avec des fournisseurs de fournitures de bureaux, et nous en faisons bénéficier l'ensemble de nos adhérents. C'était d'apporter des connaissances dans ces trois domaines, donc de la paie, de la gestion des ressources humaines et du droit du travail. Donc nous sommes ravis. Les ateliers auxquels j'ai participé depuis ce matin étaient animés par à la fois des experts dans leur domaine et des juristes en droit social, ce qui a pu tout à fait répondre à mes questions, qu'elles soient générales ou précises. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce séminaire en général et de l'organisation générale de la journée. On a plusieurs univers complètement différents, mais en fait on se retrouve à gérer les mêmes problématiques et à discuter exactement des mêmes mots. En fait, on utilise le même vocabulaire et c'est ça qui est surprenant. Ça ressemble vraiment à une université. Faut tenter, je pense qu'il faut essayer, voilà. La seule chose que je puisse donner comme information par rapport à ce stage ici au Portugal, c'est qu'on est reparti avec plein d'idées pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. On ne devrait pas avoir argumenté, on devrait juste obliger les clients de Serre France à venir. Ça devrait être juste obligatoire, ce truc-là. Et tout de suite même, sans attendre. Précédemment, je gérais un petit groupe de travail temporaire. J'avais mes propres comptables. Et j'ai été approché par Serre France au niveau régional. Et je voulais absolument un réseau régional pour gérer ma holding. Dès qu'on s'est installé, on a choisi le Serre France pour son indépendance et sa proximité. Je suis client Serre France depuis près de 20 ans maintenant. C'est vraiment un partenaire. C'est comme une banque ou un assureur. On peut avoir une comptabilité, c'est relativement facile et c'est que de l'administratif. Si je n'avais pas le conseil, je n'aurais pas l'entreprise que nous avons aujourd'hui. Serre France, c'est la proximité. Il y a le sens humain des choses vis-à-vis du chef d'entreprise. À venir, je le vois en réseau, clairement. Voilà, j'avais fait ce choix-là. Les atouts du territoire, moi je dirais tout d'abord c'est sa diversité. C'est que je trouve que c'est un territoire qui regorge de richesses. Nous avons une industrie de la pêche, nous avons des industries internationalement connues. Je pense avant tout c'est cette diversité et cette richesse au niveau des hommes. Ensuite nous avons tout ce qui est la proximité de Paris. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, personnellement, je suis arrivée il y a 20 ans sur ce territoire-là. Et je suis toujours émerveillée par la couleur et la lumière. D'ailleurs, je prends ma voiture et quand je pars de Saint-Valéry et que je longe la mer comme ça, je vois le bleu de la mer, je vois le vert des prés, les éoliennes, et je trouve ça magnifique.